aujourd'hui, on va faire ensemble ces petits magnums décorés. Donc, pour commencer, il vous faudra un 4 quarts que vous allez mettre dans un saladier, que vous allez émietter à la main, à la fourchette, comme vous voulez. Vous allez ajouter 250 g de mascarpone et... Ben pareil, toujours à la main ou à la fourchette ou à la cuillère ou ce que vous voulez, vous allez malaxer jusqu'à obtenir une pâte de cette consistance. Ensuite, vous allez prendre le moule de chez Perle Dorée, le moule Magnum, et vous allez mettre dans chaque orifice de la pâte. Donc vous les mettez correctement, si on a trop, vous en enlevez, si on a pas assez, vous en rajoutez, jusqu'à ce que ce soit bien plat, bien beau. Et ensuite, on prend ces beaux petits bâtonnets dorés, donc ils sont double face. Vous avez le côté doré d'un côté et le côté argenté de l'autre. Et vous allez le mettre dans l'orifice prévu pour les petits bâtonnets. Donc moi, je les mets du côté argent parce que mon moule est à l'envers. Et du coup, je mets au congélateur pendant 2 heures. Pendant ce temps-là, je vais prendre du candy melt que je vais faire fondre. Donc là, moi, j'ai mélangé du rose et du blanc. Parce que je voulais un rose vraiment très très clair, du coup voilà, vous pouvez faire le mélange que vous voulez. Donc voilà, je fais fondre mon candy melt, je mélange et voilà la couleur que je voulais avoir. Après, pour la déco et la couleur, c'est à votre choix en fonction du thème. Donc maintenant, je reprends mes petits magnums qui étaient au congélateur. Donc là, ils sont bien congelés. Je les retourne. Donc vous voyez que le bâton, la couleur dorée, elle est devant maintenant. Et je mets mon candy melt dans un récipient haut pour que je puisse tremper mon magnum dedans. Et je racle le dessous et je pose sur une feuille de papier sulfurisé. Et voilà, donc vous trempez le magnum, vous raclez le bas et vous posez sur une feuille de papier sulfu. Ensuite, j'ai mis du chocolat de la même couleur dans une poche à douille. Et une fois que mon magnum est sec, je viens faire des petits décos comme ça sur chacun des magnums. Et là, je viens déposer un bouton de rose. Donc pour ça, je fais une pointe de chocolat. Et je viens déposer la rose. Mais après, la déco, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, je voulais faire ça. J'essuie les bâtons parce qu'ils sont jolis, mais très salissants. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très vite. Bisous !